Grande tournée européenne avec le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organise une grande tournée européenne sur 2 mois dans les pays suivants. La France, l'Autriche, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et enfin l'Allemagne. Notez bien, la tournée démarre en novembre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Le prophète Joël Crasso prie tous les comités d'organisation de chaque pays cité de bien vouloir prendre contact au numéro suivant. 00 337 80 860 057, 00 337 62 402 484. Que Dieu vous bénisse. Aimé Thérèse, c'est qui? Oh, madame Camerounaise, venez. Vous m'avez rendu un témoignage, vous devez le rendre ici. Notre soeur, mes filles, elle a quitté. Hein? Le visage me dit quelque chose. Ah, ben oui, c'est Paris. Ah, Paris. Vous voyez, moi, je suis encore. C'est à Paris, non? Comment tu vois? Oui, ça va. Elle est venue de Paris aussi. Elle est passée par le Cameroun pour être là. Moi, je la voyais découvrir à Lyon, c'est à Lyon. C'est bien, hein? Je revois ses enfants ici et tout ça. Maintenant, vous êtes à Péniel. Elle va rendre un témoignage, n'est-ce pas? Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Je dis merci à l'Éternel à travers son serviteur, Papa Crasso. J'étais dans le monde, j'étais chrétienne. Mais j'avais pas mal de soucis, surtout de santé. Je savais que j'étais malade, mais je ne savais pas comment faire parce que j'allais à l'hôpital. Et personne, jamais le médecin m'a dit que j'avais un souci réel. Et un jour, mes camarades partaient rencontrer Papa Crasso pendant qu'il devait prêcher, passer par Paris. Je me suis rendu là-bas. I went there. Et depuis que je l'ai rencontré, je me sens guéri. Il m'a, comment dire, well, il m'a vu, il m'a, il a prié sur moi et j'ai été guéri. Donc je suis venu là spécialement pour rendre gloire à Dieu, remercier le Seigneur parce que je me sens en forme et mes affaires ont commencé à reprendre. Acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, je suis la sœur Laure. Je viens ici pour rendre un témoignage aussi parce que j'ai eu pas mal de soucis dans ma vie. Et il n'y a pas longtemps que je connais le prophète, Crasso. Je n'avais jamais entendu parler de lui, quoi que ce soit. C'est un ami avec qui, un frère en Christ avec qui je priais, avec mes petits problèmes et tout. Je me suis retrouvée dans des églises avec lui pour trouver un peu une guérison. Donc j'étais chez les Célestes à l'époque et tout. Et c'est un ami ivoirien, un frère en Christ ivoirien qui me dit, Laure, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un prophète de ton pays qui est là. Est-ce que tu peux te rendre? J'avais déjà marre d'aller de gauche à droite et tout. Mais bon, quand on dit Dieu, je me suis levée, je suis partie. Ma grand-mère, j'ai pris une amie, j'ai dit, bon, on y va. Arrivé et tout, bon. Je suis allée comme tout le monde pour la première fois, juste par curiosité. Et un peu tard, même plus de place pour s'asseoir, c'était tellement blindé. Je dis, oh, si elle est du monde, ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Bon, bref, le pasteur, le prophète, il a pris. La première chose que j'ai fait, je me suis dit, bon, je vais faire comme la dame qui avait touché le prophète, la première, Jésus, la robe de Jésus. Et peut-être qu'il y aura quelque chose qui pourra agir. Donc il est passé juste
devant moi, je l'ai touché. Je ne l'avais jamais vu, je l'ai touché, il s'est retourné. Malheureusement, ce n'est pas moi qui l'a salué, il a salué quelqu'un qui était plus grand que moi. Et après, je suis revenue, un autre jour, je suis revenue, je n'ai pas réussi à la voir. Bon, après, il m'a pris un aparté, il m'a dit de venir à Lyon. Il avait des difficultés, je me suis vraiment retrouvée à Lyon et tout, il a prié sur moi. En priant sur moi, j'avais tellement de difficultés avec ma propre fille, ma fille faisait des soucis. À tout bon moment, elle prenait les médicaments, elle avalait, elle se prenait. Le dernier suicide qu'elle a failli faire, c'était au mois de novembre. Au mois de novembre où elle était en réanimation. Elle a fait plus d'un mois en réanimation. Donc, son foie était viable de 15%. Donc, 30 minutes après, elle mourait. 30 minutes après, elle mourait. Donc, elle n'arrête pas de faire des tentatives de suicide. Dès qu'il y a un souci, c'est tout de suite tentative de suicide. Non, et elle ne veut pas me sentir, elle ne veut même pas entendre parler de moi, c'est toujours la rébellion, c'est toujours les problèmes, et maintenant c'est cigarettes, alcool, ainsi, pas tout le temps. Donc ça devient, au moment où je me dis, Seigneur, tu m'as donné cet enfant pour souffrir, ou est-ce que tu m'as donné cet enfant pour, je ne sais pas, pour, si j'ai fait quelque chose, dis-moi. Ça faisait des mois, à un moment donné, elle a fui la maison, elle est partie vivre chez les assistants sociaux et tout. J'ai fait facilement 2 ans sans l'enfant parce qu'elle ne voulait pas mourir. Et quand j'ai demandé à ce qu'elle soit là, il a fallu que je mente pour que je l'amène chez le prophète. Donc je l'ai menti, je lui ai dit, maman, ta cousine est en train de fêter le baptême et tout, est-ce que je peux être là? Arrivé, on est venu, dès que c'est rendu compte que voilà, je l'ai menti. C'était problème sur problème, je me rentrais. À chaque fois que le prophète arrivait, elle fuyait, c'était la place, elle partait. Et je sais ce qu'on a réussi à mettre devant. Et quand on a réussi à la mettre devant et tout, le prophète a prié sur elle. Et quand le prophète a prié sur elle, le lendemain, on a eu gros problème. Je sais ce qu'on a même eu à bagarrer. On a eu la bagarre et tout. Elle a tellement créé des soucis là, elle voulait rentrer, elle voulait faire des choses et tout. Moi-même, le prophète a prié sur moi. J'étais en train de cracher. Il y a une vidéo où j'étais en train de cracher. Je vomissais même le sang. J'avais un cru qui tournait dans la tête comme si c'était un serpent qui m'enroulait la tête et après il s'est tenu debout. Donc depuis que le prophète a prié sur moi, je ne ressens plus ça. Et ma fille aujourd'hui, elle et moi, on se sent, on est bien. On est bien, mais il y a un petit souci. Il y a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas, mais on est bien, Seigneur. Et elle arrive déjà à accepter de faire des prières avec moi. C'est bien d'accepter jamais. Quand j'allais au culte, elle restait dehors, elle ne voulait rien faire. Et je remercie le Dieu de Papa Crasso. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est depuis le mois d'avril que je le connais. Et je me retrouve ici parce que je crois à son Dieu. Parce que aujourd'hui, j'avais des choses qui marchaient sur moi. J'avais des trucs qui n'allaient pas. Ma fille, parfois même, elle arrivait sur moi. Elle faisait des choses que je ne comprenais pas. Parfois même, elle prenait même les médicaments. Elle mettait dans mon eau pour m'empoisonner. Aujourd'hui, je suis là par rapport à ça. Parce que j'ai trop de problèmes avec elle. Même elle me dit, maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout le temps, je ne peux même pas être avec toi. Tu es en train de faire des problèmes. Tu es en train de faire des soucis. Et il y a des choses que je ne peux aussi pas vous dire. Mais papa, il connaît déjà. Donc, je remercie vraiment ce que papa a fait pour moi. Aujourd'hui, si j'ai pu prendre le chemin du temps de Paris, Cameroun jusqu'ici, je remercie déjà parce que je crois en son Dieu. Et peut-être que je suis venue ici, je suis venue pour moi, pour moi, mon enfant et pour ma famille. Et je crois que le terminus, c'est pour ce que je me ici. Pénien, non? Tu es venu, est-ce qu'il y a eu, on t'a braqué en route? Tu t'es bien occupé de moi. Merci. Va t'asseoir. Amen. Merci.
C'est une soeur camerounaise, la première fois qu'elle vient en Côte d'Ivoire. It is her first time coming to Côte d'Ivoire. Ouais, ils lui ont dit, si tu viens en Côte d'Ivoire, n'est pas bien. Les propres Ivoiriens. Les propres Ivoiriens. My own brothers. Bon, elle est venue. But she came. Passée d'abord par le Cameroun. She came from. Le Cameroun, elle est venue ici. Comes to Cameroon. Ouais, elle a cherché. From to here. Je l'envoie chez moi à Abidjan. Brought in my house. Je lui ai dit, tu as vu Abidjan. Elle a fait le choix des nuits. Elle a plaqué le chemin de Divo. So, ce que les gens vous disent par moi, c'est faux. Voilà. Franchement, il n'y a pas de guerre. No war. Pourquoi forcément vous l'empêchez les gens de venir? Why do you want to pray? Avant toi, il y a des gens que nous avons appelés des Martiniquais. Si on dit, on dit qu'on attrape les gens dans la rue, on les égorge. J'ai dit, mais moi-même, pendant que tu me parles, je suis dans la rue. Why are you talking to me? I'm in the streets. Pourquoi France Bécane ne m'en parle pas? Pourquoi tous les chefs, pourquoi on ne vous dit pas que la Côte d'Ivoire est un pays à risque? Ne venez pas. Tous les avions sont là. Air France toujours descend, tous les jours, font des trucs. Attendez. Si vous n'avez pas envie de venir, ne venez pas, mais la Côte d'Ivoire, c'est ma patrie. Côte d'Ivoire is my land. Ouais, c'est pas parce que c'est ma patrie que je vais la défendre bêtement, mais il n'y a rien en Côte d'Ivoire. There's nothing here. Tu as vu que tu viens dans le car, c'est ça? Elle est venue dans le car, elle est venue dans le car. Elle est venue dans le car. Vous voyez, voici la Côte d'Ivoire. Here is Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. There's no trouble in Côte d'Ivoire. Mais il y a un Dieu de délivrance à Divo. Yes. Pour ça, tu peux te déplacer pour venir. Amen.